Yo, salut à toutes et à tous, c'est MegaFR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, unboxing, une petite boîte. Bon, j'ai déjà ouvert, vous pouvez le voir. J'ai déjà regardé ce que c'était et tout, donc c'est bien ce que je voulais. Un truc de pêche, bon, un peu abîmé là. Enfin, quand même bien méchant pour ce que c'est. Donc, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros, cette petite boîte. Vous vous dites peut-être c'est cher parce qu'il y a dedans ou quoi. Enfin, vous savez pas, mais non, non, c'est vraiment pas cher. Parce que bah c'est que des leurres de pêche en fait à l'intérieur, regardez. Il y a beaucoup 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 de papier, mais il y a pas mal de leurres aussi quand même. Il y a une cinquantaine de leurres, j'ai compté. Donc là il y a un paquet de leurres là. Allongé comme ça avec une petite bavette, comme vous pouvez le voir là. Je pense que c'est des leurres de surface. Voilà. Donc pour brocher, pour la perche, pour voilà. Ça peut être pas mal. Un petit rabala qui lui par contre doit plonger vu sa forme je pense. Il a des petites billes là. Voilà, pour la perche, pour brocher aussi. Un autre, c'est un peu plus grand que celui-là, regardez. Il est un petit peu plus grand. Voilà. Lui il doit être entre deux eaux, je pense. Il est assez allongé quand même. Mais après voilà. Il a une bavette assez grande. Donc je pense qu'il plonge un petit peu. Là, il y en a encore un autre. Donc voilà, c'est dans le même style, juste le coloris qui change. Lui il plonge beaucoup plus je pense, parce que bah, la bavette elle va beaucoup plus vers le fond. Donc là, il y en a des beaucoup plus petits. Donc là c'est pareil, ça doit plonger, avec les bavettes, mais c'est toujours pour la perche. Là, plus la perche là. Et là c'est pareil, il y a des petites billes. Donc comme ça. Bon, excusez-moi, petite interruption. Donc voilà, même style toujours. Hein. Regardez, une grosse boîte, une grosse poche. Genre, bah, c'est que les mêmes. Eux, par contre, c'est pour le brocher, c'est sûr. Genre, voilà. À mon avis, c'est du genre de surface aussi. C'est pareil, il y a beaucoup, beaucoup de billes dedans. Et voilà. Voilà. Un autre pour la perche. Ou vous brochez, je sais pas quoi. Voilà. Là c'est pareil, il doit plonger pas mal. Il y a une belle petite bavette. Alors, et c'est là où ça m'intéresse un peu plus. Parce que moi je suis un grand fan de la pêche de la perche. Et quand je te dis des leurres qui sont aussi gros que le pouce, ben, pour la perche, hein, c'est pas pour autre chose. Voilà. Si perche cheval peut-être. Donc voilà, il y a une petite dizaine dedans. Ça c'est vraiment cool. Plein de coloris. Voilà, même style que les autres. Voilà. Toujours les mêmes. Hein. Là encore une petite poche. Où il y en a encore pas mal dedans. Franchement, ça a l'air d'être des bons produits quand même. Hein. Là c'est pareil, il y a des billes dedans, je crois. Ouais, il y a des billes dedans. Un petit peu plus gros là, peut-être pour le brocher là quand même. Il y a de la bille. Pareil, le coloris pas pareil, juste un autre qui est un peu plus petit cette fois, comme vous pouvez voir. Ouais, vite fait. Peut-être plus pour la perche, ça fait peut-être un tout petit après pour brocher, je sais pas. Un petit brocheur. Et puis là, bah voilà. Alors, là j'ai ça. Bon, c'est tout dans le même style, hein, mais voilà, s'il fonctionne, c'est pas grave. Et puis là, voilà, c'est pareil, celle-là aussi, il me plaise vraiment beaucoup. S'ils sont pas très gros pour la perche, ça peut être vraiment bon. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, tout ça dans cette petite boîte. Donc je vais juste le ranger pour vous remontrer. Hop. Voilà. Donc là, bah, la grosse poche, on va le brancher, je pense. Hop. Petite interruption, excusez-moi pour les petits bruits. Voilà, comme ça. Hop. Là, encore un autre. Il y en a plein. Là, les petits pour la perche. Il m'a l'air vraiment beau. Voilà. Donc, ça loge largement. Je vais encore mettre plus. En fait, à la base, il y en avait 56. Je les ai comptés vraiment très rapidement. Donc je suis pas sûr de mes résultats. Mais genre, moi, j'en ai compté que 53 sur les 56. Donc, je m'en serais peut-être fait pour 2 ou 3. Mais bon.
À 2 ou 3 près, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Une quarantaine d'euros pour tout ça, franchement. S'il marche bien, parce que je sais pas, j'ai pas le temps de tester encore. Hein. Je les ai juste là. Depuis 10 minutes que j'ai passé, j'ai paquet. Donc voilà. Et là, une grande vente poche pour quelques heures. Du gâchis. Là. Et là. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux encore mettre toute ma main dedans. Et ça ferme. Donc, en ce moment, ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Donc, regardez, ça fait un vraiment easy. Voilà, ça fait un vraiment easy pour. Voilà, tout seul. Donc, il y a 5 cm, je pense. Donc, ils auraient pu en mettre encore une couche, mais ils l'ont pas fait. Enfin, c'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu. Mais bon, voilà. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, je vais essayer de plus tard, pas tout de suite, mais je vais essayer peut-être de m'acheter une GoPro et tout pour pouvoir faire les vidéos embarquées et faire des trucs mieux quoi. Voilà, allez, et bien, j'espère que vous avez aimé, abonnez-vous, likez, et puis toute la suite quoi. Allez, au revoir.